Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci, c'est une vidéo un peu plus spéciale. Ce sera une vidéo sur un appareil vintage. Mais quand je parle de vintage, c'est pas on va dire, c'est pas un Mac qui a plus de 5 ans. Parce que vintage chez Apple, c'est qu'il a plus de 5 ans. Par contre, il a bien, bien, bien plus que 5 ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, ceux qui nous connaissent un peu mieux ici dans le, on va dire, à Montpellier. On essaie de faire une petite collection des produits Apple, des choses qui sont assez vieux, assez vintage, pour rassembler une petite collection, qu'on puisse faire un petit historique des choses que Apple a fait au cours de leur, on va dire, de leur parcours. Donc, sans tarder plus que ça, regardez qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui par la poste. Donc, comme vous pouvez voir, un Apple II Euro Plus. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça, c'est le Mac le plus vieux qu'on a ici à l'atelier. On a d'autres modèles des Mac. Je vais vous montrer les autres à la fin. Mais déjà qu'on essaie de voir qu'est-ce que ça donne sur tout ça. Je vais vous mettre un peu la page de Wikipédia. Comme ça, vous voyez un peu qu'est-ce que c'était. Donc, nous, de notre côté, on n'a que la base. Les deux lecteurs de disques, on n'a pas l'écran, malheureusement. C'est dommage. Peut-être on va le trouver un jour. Mais déjà, on est content de pouvoir avoir ça dans notre atelier. Donc, on va faire un petit. C'est une petite découverte pour moi aussi, parce que j'ai pas connu les Apple. Ça fait peut-être 8 ou 9 ans que je connais le monde d'Apple. Et depuis, j'ai commencé, j'arrête pas de collectionner et de faire un peu des recherches sur tout ça. Donc, comme vous voyez, hop, je vais vous montrer. On va les mettre des côtés. Donc, c'est deux disques. Hop. Voilà, donc drive 1 et drive 2. On va les mettre des côtés. Et vous allez voir quelque chose que vous avez jamais vu sur cette chaîne. Un circuit intégré, pas en miniature. Je vous dis, j'ai jamais vu des choses. En réalité, je l'ai jamais vu. J'ai toujours vu à la télé, dans des vidéos et tout ça, mais jamais vu des transistors comme cela. Donc, on peut voir que les deux drives, ils sont liés par cette carte. Hop, je vais essayer de l'enlever. Hop, voilà. Donc, il y a plusieurs slots. Donc, j'imagine qu'on peut mettre plusieurs choses, une imprimante ou qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est incroyable. Franchement, je ne sais pas si ça vous passionne ou pas. Mais hop, regardez-moi un peu les circuits. Regardez un peu qu'est-ce qu'on a ici. Donc. Bien le logo Apple. La bonne époque où on avait les inscriptions sur les cartes mères. C'est des circuits assez simples de ce que je vois ici. On peut voir d'autres choses là ici à l'intérieur. Donc le clavier, hop, et tout le reste. Une grosse alim. Apple Computer Incorporated. Un petit bouton d'allumage. J'imagine que ici on a un fusible. Donc le cordon d'alimentation. Cassette et vidéo. Donc la sortie vidéo pour l'écran, j'imagine. Et cassette out et cassette in. Waouh! Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble une carte mère,
de Danemark aujourd'hui, c'est celle-là, c'est une carte mère d'un MacBook Air qui a, je crois, 1000 fois la puissance de celle-là, voire même plus. Sur celle-ci, on a une petite touche qui manque. Si quelqu'un, si vous avez ça en rab chez vous, n'hésitez pas de me contacter. Je veux bien la touche. Y a pas grand-chose à voir. Hop, on verra qu'est-ce qu'on a ici à l'arrière. Ok, ça va. La belle époque où les Mac. Hop. La belle époque également où les Mac ils étaient faits en États-Unis, quoi. C'était pas fait en Chine. Donc celle-là, je vais le mettre de côté. On va regarder un peu les lecteurs. Hop, donc, ouais, on voit que sur la carte, on peut les débrancher. Ok, drive 1, drive 2. On verra bien sûr qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pas grand-chose, j'imagine, mais bon, au moins pour satisfaire la curiosité. Également, la belle époque où c'était, il y a des vis, il y avait des vis cruciformes. Pas des torques de toutes dimensions et toutes sortes de protections pour ne pas les ouvrir. Donc, on verra de quelle manière ça s'ouvre, celle-là. Comme ça. Bon, ça a l'air de s'ouvrir comme ça. Bon. Oh, comme ça. Ah non. À l'envers. Oh. Encore des coursiers, encore des circuits imprimés. Donc après, c'est comme les, c'est des grosses floppy disks qui avaient. Donc on a un mécanisme pour. Donc dès qu'on ferme, hop, voilà. Dès qu'on ferme le petit engrenage se met en marche. Ça attrape la disquette et par la suite j'imagine qu'il va commencer la lire. Et une autre chose qui est drôle, regardez depuis quand ils font. Hop, attendez. Je vais essayer de. Attendez, de faire voilà, un peu plus de lumière. Donc, vous voyez les numéros des cartes mères? 820. 0007 et la version 4 de ce que je vois ici. Également, cette type de numéro, les 650 0103, je crois que c'est une référence interne de chez Apple aussi. Mais regardez un peu. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse autant que moi, mais c'est super drôle de voir des appareils vintage comme ça et voir la différence. En fait, je travaille toute la journée sur des cartes mères Apple et je vois rarement des choses comme ça, si anciennes que ça. Celle-là, bah, je ne sais même pas s'il fonctionne. Petit à petit, je vais essayer de voir si c'est des choses qui sont réparables pour les remettre en marche. Il faudra que je trouve un écran, il faudra que je trouve des disquettes. Également, si vous avez des gens que vous connaissez ou vous-même
Vous avez des appareils Apple vintage comme ça. À la place de les jeter à la poubelle, passez nous voir ou passez un coup de fil et nous on les récupère. Sachez que tout cet matériel-là n'est pas pour la vente, il ne sera pas à la vente. Donc ce sera quelque chose qu'on veut garder, qu'on veut faire une collection assez grande. À petit, mais également sachez que on n'est pas comme les vrais collectionneurs, on n'est pas riche, on va pas proposer des sommes, je sais pas moi, des milliers d'euros pour des choses qui sont anciennes. Si vous voulez vous en débarrasser et vous voulez nous aider à grandir la collection, la seule promesse que nous on peut vous faire, c'est que on ne va pas les revendre comme ça. Ça va rester dans une collection. Là maintenant, je vais vous montrer les autres Mac que on a ici à l'atelier pour vous faire une petite idée de ce qu'on a déjà dans l'atelier et peut-être ça peut vous faire plaisir également. Donc jusqu'à aujourd'hui, on avait le Macintosh, le Performa 475 et le Classic 2, qui étaient les plus anciens dans notre collection. Donc avec cela, donc on a le clavier, donc cela ça va avec le Classic 2. On a également un souris. Hop. On a un bon MacBook, on va dire. Oh, c'est, non, c'était PowerBook à l'époque. Non, e-book même. Celles-là, ils sont super, super jolies. Il y a plusieurs couleurs. Nous, on n'a que celles-là en bleu. Hop. De l'autre côté, donc, on a des images. Donc, celles-là, en vert, on cherche le rouge, le jaune, l'orange. Je crois qu'il y en a. Il y a plusieurs couleurs. Celles-là, ils viennent d'arriver. Il y a quelqu'un qui vient de nous le apporter. Là, c'est un iMac un peu vieux, mais bon, cela c'est pour un client. Et on a deux iMac tournesol, donc celle-là et celle-ci. On a également le cube. Et comme vous voyez, bon, là, ici, on a un iPhone 3G à l'intérieur. Bien sûr qu'on a l'iPhone. Hop, voilà. Hop. Là, on a un autre 3GS ici. Hop. Donc, on voyait là, c'est un iPad 2, un autre iPad 2 ou 3. On a pas mal des MacBooks ou des PowerBooks, ça dépend de l'époque, certains se rassemblent. Et là, ici également, on a des MacBooks, donc le fameux noir. Il y a un autre, comme celle que je vous ai montré, le bleu. Des Mac Mini, d'autres Mac Mini, on a à l'arrière. Et c'est ça notre petite collection. Donc, si vous avez aussi, n'hésitez pas de partager vos photos. On fait régulièrement des publications sur notre page Facebook. Également, si vous voulez voir qui nous a vendu cette Apple 2. Je le remercie énormément. Il nous a vendu à un prix dérisoire par rapport à ce que ça vaut. Non, je n'étais pas prêt à mettre le prix du marché. C'est une personne qui a préféré le vendre pour pas grand-chose pour qu'il arrive chez nous dans une collection à la place d'arriver à la benne. C'est une personne qui, depuis 10 ans, essaie de récupérer tout ce que les gens jettent et essaie de les recycler et il essaie de recycler les appareils et de les donner une nouvelle vie. Donc, comme vous avez vu, pour cette Apple 2, il aura une deuxième vie ici chez nous. J'espère que c'était une vidéo intéressante pour vous et à la prochaine.